ici, c'est encore sur la commune de Périac. La vigne qui est au-dessus, on est sur la commune de Narbonne et après c'est Bage. Je fais partie d'une vieille famille périacoise qui autrefois faisait son vin au domaine. Il y avait tout qui tournait autour de la vigne. La vigne, il y avait le puits, il y avait les arbres autour de la vigne. Ils te plantaient des amandiers pour avoir des amandes. Puis quand mon père a arrêté l'exploitation, il a arraché petit à petit les vignes. Et puis bon, moi je trouvais dommage de ne pas garder une vigne. Donc j'ai fait le choix de garder un vieux Carignan et de le vinifier par moi-même. Donc la vigne, c'est vraiment le passe-temps. Comme certains ont eu un jardin, et bien moi je me régale de travailler la vigne, de la tailler, de la traiter. J'ai pas de matériel, je fais tout à la main. Alors bon, c'est folklorique après, mais bon, ça se fait, ça entretient la forme. On nous parlait plus de viticulture que de faire à la fois son vin et d'être à la fois vigneron. Et je trouve qu'après ça s'est arrangé et du coup on retrouve avec plaisir maintenant des jeunes qui veulent s'investir dans la vigne. Il y a des savoir-faire et on va pouvoir encore compter dessus dans les années à venir. Maintenant, tu vas retrouver des viticulteurs, c'est bien aussi, hein, mais les traitements la nuit, les machines à vendanger, à toute barzingue. Et en 20 ans, on va dire, 20-30 ans, il y a eu un bouleversement au niveau de l'approche, de la culture, du travail de la vigne. On a industrialisé la vigne et je trouve qu'il faut quand même garder ce côté à l'échelle humaine où l'homme peut être à la vigne et à la fois s'y reposer. Voilà. La fleur, elle a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça. Il y avait à quelques endroits des capuchons. Comme la vigne, il y a de la mortalité de temps en temps, et bien, je fais des repiquages, c'est-à-dire qu'avec un pic, un rabassier, je fais le trou et je plante une souche. Alors, comme un petit jardin, hein, tu vois, je mets des copeaux de bois, tout, pour garder la fraîcheur, et voilà, j'espère que dans quelques années, il fera des raisins. Donc je préfère, au niveau du paysage, ben, me retourner là, voir la vigne qui est verte, qui produit en plus du vin, tu te régales, que de retrouver des champs abandonnés. Et c'est pour ça que ben, là, il y a quelques années, il n'y avait plus de vignes, j'ai planté quelques oliviers. Je pense que l'homme est fait pour, en dehors de ses heures de travail, de pouvoir être dehors et se ressourcer, voilà, avoir les pieds sur terre. Autrefois, dans le village, ben, ça se faisait, les gens, ils avaient les poules, le coq, et puis maintenant, si tu mets un coq dans un village, il va y avoir des histoires de voisinage. Et là, maintenant, mais tu vois, on y revient. Tu as maintenant les animaux, le jardinage, ça fait plaisir. Tu retrouves pas mal de générations maintenant qui te disent qu'eux aussi, même au village, ils veulent avoir leur potager. Et c'est bien, je trouve qu'on ne passera pas à côté, quoi. Voilà, ça va permettre les générations qu'on est, les 40 ans. Et de pouvoir aux enfants leur dire voilà, on a vécu là-dedans, on a connu ça, et vous aussi vous pourrez le connaître, manger les légumes que vous avez fait pousser, manger les œufs de vos poules, voilà, c'est le quotidien, c'est bucolique. Alors j'avais téléphoné à la mutualité sociale agricole en leur disant voilà, j'ai une vigne, je veux faire mon vin. Et comme j'ai des amis qui veulent me donner un coup de main pour les vendanges, comment ça se passe si j'ai un contrôle? D'autant plus qu'on restaure, je veux faire des gîtes et tout, comment ça va se passer? La femme me dit non, le travail gratuit ça n'existe pas, ceux-là il faut que vous les payiez. Mais non, je dis, ceux-là ils sont prêts à payer pour venir vendanger. Et la femme presque m'avait raccroché au nez en se disant celui-là il se fout de moi. Et finalement, voilà, tu t'aperçois que ouais, moi je vois que les copains quand ils viennent, eh bien, ils passent une après-midi formidable, il y a 2, 3, 4 après-midi à faire. Et on se retrouve dans la vigne, il y a un seau de coupeurs, il y en a un qui tient le seau, l'autre qui coupe des raisins. Et on passe un moment à discuter et à expliquer, voilà, ben, là il y a ce grain, ben, il est pourri, il faut l'enlever, alors on le jette dans la vigne et on essaye d'avoir le bon produit. Et on ramasse tout à la main, dans les comportes, et après les comportes, on va les vider à la cave. Quand on amène la récolte, donc je mets les comportes sur un plateau, sur le tracteur, et on descend et j'amène les comportes et je les vide dans les cuves là. Ça c'est la récolte de 2012. Je colle les étiquettes.
je mets les capsules. Hein. Comme j'ai dit, gîtes, j'ai des personnes qui viennent pendant les locations saisonnières, ils m'en achètent, ils viennent passer une semaine, ils prennent un carton ou deux. J'ai un ami qui fait des chambres d'hôtes juste en face, qui lui, il en prend, et du coup, les personnes viennent après en acheter ici. Et puis, voilà, ceux qui le savent, de temps en temps, ils viennent, ils en prennent. Même si on le prend de façon ludique, tout ça, il y a toute une organisation après à avoir au niveau du travail, de la vigne. Il y a quand même après de la rigueur après au niveau de la cave, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, ça tournerait en vinaigre. Donc ça, c'est la récolte de 2013, et j'avais fait l'assemblage il y a un mois et demi, deux mois, entre le Carignan et le Grenache. Je m'étais rendu compte, moi aussi, comme buvant des blancs, des fois, qu'ils sont plus chargés en soufre. J'avais fait le choix de ne pas en mettre ou de limiter, et de me dire, eh bien, au moins, tu bois du vin, tu te régales de le boire ce soir, et demain matin, quand tu te lèveras, tu auras pas mal à la tête et tu seras content. Voilà.